Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation qui porte sur Minecraft éducation en mathématiques et en sciences et technologies proposée par le Campus RICI. Mon nom est Stéphanie Rioux et je vais vous accompagner tout au long de cette aventure Minecraft. Avant de débuter, je vous invite à vous assurer d'être connecté à votre compte Campus RICI. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous en créer un avec votre identifiant Microsoft, Google ou avec d'autres options. Assurez-vous aussi de vous inscrire à cette formation afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de Campus RICI. Cette formation contient plusieurs sections. Les deux premières sections s'adressent à toute personne qui désire apprendre à utiliser Minecraft Education. Vous découvrirez pourquoi Minecraft Education est une plateforme qui a sa place en classe. Vous serez initié aux bases, aux principales fonctionnalités, aux particularités techniques et aux outils qui ont été pensés pour la classe. Les tableaux noirs, le mode multijoueur, le mode salle de classe, les personnages non-joueurs, l'appareil photo, le livre et la plume sont tous des outils qui permettent soit de diffuser du contenu, de recueillir des traces, de donner des instructions ou d'ajouter de l'interactivité. Ce sont des sections incontournables pour tous. La troisième section est pour ceux et celles qui souhaitent utiliser Minecraft Education en contexte mathématique. Vous découvrirez comment Minecraft peut soutenir l'enseignement et l'apprentissage de concepts mathématiques, tant pour les petits que pour les plus grands. Des idées de projets mathématiques vous seront aussi proposées. La quatrième section s'adresse à toute personne qui souhaite utiliser Minecraft Education en sciences et technologies. Vous pourrez découvrir comment exploiter un thème comme l'univers vivant ou l'univers matériel. Vous apprendrez à vous servir de la trousse de chimie et comment explorer les bases de l'ingénierie avec la redstone. La cinquième section s'adresse à ceux et celles qui souhaitent se servir de Minecraft Education pour l'apprentissage de la programmation informatique. Vous découvrirez la magie de la programmation dans Minecraft qui permet d'automatiser des actions avec l'agent ou d'automatiser des constructions de petite, de moyenne ou de grande taille et ainsi développer la pensée algorithmique des élèves. Vous aurez la possibilité de vous procurer 5 badges à travers cette formation, soit les badges découverte, appropriation, expérimentation, conception et contribution. N'hésitez pas à ouvrir et explorer toutes les sections de l'auto-formation pour y découvrir les contenus qui vous sont proposés. Vous pouvez bien sûr choisir d'explorer les sections qui vous intéressent. Finalement, je vous souhaite officiellement bienvenue dans l'aventure Minecraft à travers un monde virtuel dans lequel les possibilités sont infinies.